Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis déjà prêt à partir, désolé, j'ai pas pu filmer avant. On se retrouve aujourd'hui, vlog le plus important du monde. On est le 12 mai, je crois, match capital. Aujourd'hui, on joue contre le Capo, qui sont dans la même situation que nous. C'est-à-dire que s'ils gagnent, ils se maintiennent, et s'ils perdent, ils descendent. Tout comme nous, si on gagne, ben, on sera à leur hauteur. Mais vu qu'on a gagné au match aller, en confrontation directe, on sera devant eux. Autant dire que ce match, c'est le plus important de l'année. Tous les matchs ont été importants, mais celui-là encore plus. Mettez un petit like, abonnement, tout ça. Pour la force, merci beaucoup ceux qui le feront. On se retrouve dans ma voiture parce que je bouge pas dans tous les sens et c'est plus agréable. Pourtant, mais franchement, je pense que ça va aller. Capo, on les a battus à l'aller. Je crois qu'ils font descendre parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique en ce moment. Ils gagnent beaucoup de matchs. Il va falloir tout donner. Pour ceux qui connaissent, on joue à Grelais. Je sais pas pourquoi on joue à Grelais, mais c'est une des plus belles salles de Limoges. Donc ça fait très plaisir. J'ai joué qu'une fois là-bas. Franchement, ça fait plaisir de jouer là-bas. Let's go! Ça va? Petit bémol aujourd'hui, il n'y a pas Roro parce qu'il travaille, donc la semaine dernière c'était son dernier match en tant que coach. Du coup, si on gagne, c'est aussi pour Roro. Qui reviennent pas parce que c'est sur les cuits, si on est cuit on sort et on joue 40 minutes à bloc. Qu'on soit mené, qu'on soit devant, on lâche rien du début à la fin. Je vais te mettre au milieu derrière avec toi. Vous là, et bougez la balle. Parlez-vous, on est plus haut donc parlez-vous dans le dos. Allez, cherchez allez. Des choses simples. 1, 2, 3, thank you.
quand on n'est pas bon, il faut défendre. Ouais. Pas de secret, c'est de, et, quel que soit le niveau, vous, sauvez, vous jouiez en quel que soit le niveau que ce soit, quand on est mauvais en attaque, bon, on défend, et là ça fout une partie. Allez, une petite pensée pour tous ceux qui ont laissé leur place aujourd'hui. Allez, pensez pour Oro, les gars. Ouais. Pour Oro. Ouais. Et donc 1, 2, 3, Enzo ! Donc voilà, comme vous avez vu, on a gagné. On est officiellement maintenu en D2. Ça fait super plaisir parce qu'il y a un moment où j'y croyais plus. Le match, franchement, super match de notre part. Tout le monde a bien joué. Personnellement, je suis très content de mon match. J'ai pas beaucoup scoré. Mais franchement, j'avais beaucoup d'impact en défense et dans les passes et tout. Enfin, je suis vraiment content de moi. Bon, comme vous vous en doutez, c'est le dernier vlog de la saison. Je sais pas s'il va y avoir des vidéos cet été. Je vais essayer. Si, dès que j'ai un concept ou une vidéo basket à faire quelque part, je le ferai de toute façon. Mais il n'y aura pas une régularité comme il y a eu tout au long de la saison. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai eu beaucoup de retours sur toute la saison. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. C'est dommage parce que la saison se finit tôt. J'aurais kiffé faire encore plus de vidéos. Franchement, ça me plaît. Et si ça vous plaît aussi, faites-le moi savoir avec un like, un commentaire, un abonnement. Vous n'avez pas idée de comment ça mène. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de la saison. Je vous fais des gros bisous, bonnes vacances. On se revoit la saison prochaine pour des blocs basket. Et peut-être cet été, je ne sais pas encore. Prenez soin de vous. Bisous.